Bonjour les amis, aujourd'hui je vais partager 10 motifs pour lesquels l'officier du consulat peut vous refuser le visa lors de l'interview pour la développer. C'est vrai que lors de la développer, il y a beaucoup de personnes qui seront présélectionnées. On dit bien présélectionnées. Ça veut dire qu'après, il y a encore une autre sélection. Il y a certaines personnes qui font tout, qui arrivent à l'interview, mais à la fin, elles n'ont pas de visa. Que se passe-t-il? Quelles sont les erreurs que ces personnes ont commises? C'est ce que je vais partager avec vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Beda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je parle de la vie aux États-Unis, je parle beaucoup de la développerie. Donc, si vous êtes concerné par l'une des thématiques que nous traitons, faites un tour sur notre chaîne. Regardez une ou deux de nos vidéos. Si elles vous conviennent, il y a deux choses que je vais vous demander de faire. La première, c'est de vous abonner et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Quand vous activez cette cloche, vous n'allez pas manquer nos vidéos comme celles que vous êtes en train de regarder actuellement. Le premier motif de refus de visa, c'est la condition d'éducation. Pour la développerie, on vous demande d'avoir le baccalauréat. Si vous n'avez pas le baccalauréat, on vous demande de remplir la condition professionnelle. La condition professionnelle demande d'avoir 2 années d'expérience dans l'un des boulots qui figure sur le site honnêteonline.org, mais qui remplit un certain nombre de caractéristiques. C'est une vidéo tout entière que j'ai faite. Je vais la mettre dans le cadre, je vais la mettre aussi dans la barre de description. Vous qui n'avez pas le baccalauréat, regardez cette vidéo-là entièrement pour pouvoir remplir cette condition d'éducation si vous êtes présélectionné pour la développer. Parce que c'est un peu difficile, même si vous trouvez votre emploi sur le site, il faut pouvoir justifier que toutes les tâches que vous faites actuellement dans votre boulot correspondent à l'emploi qui est mentionné sur le site. Donc, c'est à vous de justifier ces choses-là. Regardez bien la vidéo pour que vous puissiez remplir cette condition d'éducation. La deuxième condition ici de refus de visa, c'est de mal choisir son pays de naissance. Je dis bien pays de naissance parce que c'est ce que la développeuse demande. On ne demande pas ici votre nationalité, on ne demande pas non plus votre pays de résidence. Et donc, si vous mélangez ces choses-là, si vous faites une erreur, ça peut vous coûter votre green card, ça peut vous coûter le visa, vous pouvez être disqualifié le jour de l'interview. Le troisième point, c'est l'erreur la plus commune. C'est faire une erreur sur sa situation matrimoniale. Ici, je vais parler de mariage. Quand on parle de mariage légal. S'il vous plaît, on ne parle pas de concubinage, on ne parle pas de copain et de copinage. Quand on parle de mariage légal, c'est un mariage qui a été reconnu devant les autorités de votre pays. Si dans votre pays, vous devez vous marier devant le maire pour avoir le document officiel qui prouve que vous êtes marié devant les hommes, c'est ce document-là que vous devez envoyer pour faire votre démarche. Si vous êtes copain, copine, vous n'êtes pas marié. Vous jouez individuellement. Si dans votre inscription, vous avez mentionné que vous êtes marié, que le jour de l'interview, vous n'avez pas à produire le document qui prouve que vous êtes légalement marié devant les autorités de votre pays, on va vous refuser le visa. Le quatrième motif de refus de visa va dans le même ordre d'idée que le troisième, c'est au niveau des enfants. Il y a beaucoup de personnes qui sont habituées, comme on le fait chez nous, on fait à l'africaine. On a des enfants par exemple de nos frères ou même des enfants de nos relatives, on garde chez nous. Et quand nous jouons à la développerie, souvent, on dit, mettez vos enfants. On prend tous ces enfants-là et nous les inscrivons dans notre fiche pour la développer. Mais ici, quand on joue la double loterie, il y a 3 types d'enfants qu'on doit prendre en compte. Il y a vos enfants biologiques, les enfants que vous avez vus avec votre femme, n'est-ce pas? Donc vous mettez ces enfants-là. Le deuxième type d'enfant ici que vous devez prendre, si votre femme ou bien votre épouse, avant votre mariage, avait des enfants, ces enfants-là, vous devez absolument les mentionner dans votre inscription pour la double loterie. Ce n'est pas une alternative. Vous devez obligatoirement mentionner ces enfants-là dans votre inscription pour la développer. Le troisième type d'enfant ici que vous pouvez mentionner dans votre inscription, ce sont les enfants que vous avez adoptés légalement devant les autorités de votre pays. Et quand ici je parle d'adoption, vous devez adopter ces enfants-là 2 années avant de les inscrire pour la développer. Donc voici les 3 types d'enfants ici que vous devez prendre. Est-ce que nous sommes d'accord ici? Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous aimez la vidéo que vous regardez, je vous demande de mettre un like et puis de partager aussi à d'autres personnes. Ce sont des petites informations capitales qui peuvent sauver quelqu'un pour avoir son visa pour venir aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à faire. Le cinquième point ici, c'est ce qu'on appelle le background check. Le background check aux États-Unis, il regarde tout en fait. Vous allez constater que quand vous allez remplir votre DS-260, on va vous demander les réseaux sociaux que vous utilisez. On va vous demander votre compte LinkedIn, votre compte Facebook, votre compte Instagram, tout ce que vous utilisez comme réseaux sociaux. Nous constatons malheureusement que nous nous cachons souvent derrière les réseaux sociaux pour avoir des commentaires désobligeants ou bien des commentaires très négatifs envers des autorités ou bien même des présidents américains. Et quand vous donnez vos réseaux sociaux, ce sont des choses là que les gens cherchent. Si vous avez eu des propos de haine envers par exemple un président ou bien envers des autorités américaines,
Mais ces personnes-là ne vont pas vous laisser immigrer dans leur pays. Parce que vous êtes dehors, regardez ce que vous faites. Quand vous allez entrer, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les propos de haine, les propos désobligeants sur les réseaux sociaux sont des choses à éviter absolument lorsque vous jouez à la démo. Et puis, même si on ne vous connaît pas, avec les propos, avec les commentaires que vous portez sur les réseaux sociaux, ils peuvent savoir à quel genre de personnes ils ont affaire pour prendre des décisions. Donc, faisons attention à ce que nous postons sur les réseaux sociaux. La sixième erreur est une erreur très commune. C'est au niveau de la photo. Cette erreur est également commise au début du jeu, lors de votre inscription. Si vous ne pouvez pas faire la photo vous-même, cherchez un studio professionnel qui va vous faire la photo. La photo de type visa USA. Si votre photo ne remplit pas les conditions, même si vous êtes sélectionné jusqu'à l'interview, on peut vous refuser le visa. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont flippé, je veux dire, qui ont changé leur photo avec la photo de leur enfant ou bien avec la photo de leur épouse. Donc ici, s'il vous plaît, quand vous vous inscrivez, si vous le faites vous-même ou bien vous le faites par personne interposée, rassurez-vous que la photo que vous téléchargez est la vôtre. Si c'est votre enfant, vous faites la même chose. Parce que si vous renversez la photo de votre enfant avec la photo de votre femme, avec votre photo, on ne va pas vous donner votre visa. Ce sera difficile de vous donner le visa. À condition que l'officier du consulat soit un peu flexible pour essayer de recadrer les choses, sinon ça sera difficile. Et ça, c'est également un motif de refus de visa. Donc, faisons attention à ça. Le septième motif de refus de visa ici, c'est au niveau de la charge publique. Ici, la charge publique, c'est de justifier que vous n'allez pas être une charge pour le gouvernement. Vous n'allez pas arriver aux États-Unis et puis bénéficier des aides de l'État, bénéficier de l'argent des contribuables américains. Et pour ce faire, on vous demande souvent d'avoir un sponsor. Ici, quand nous parlons de sponsor, les avis sont partagés. Il y a certains pays qui demandent des sponsors, il y a certains pays qui ne demandent pas de sponsors. Mais je pense que vous êtes mieux placé pour savoir si votre pays demande un sponsor ou pas. Dans mon pays, en Côte d'Ivoire, on demande un sponsor. Il y a beaucoup de pays pour lesquels on demande un sponsor. Donc, préparez ce sponsor-là parce que c'est lui qui sera comme votre garant financier pour que vous puissiez venir aux États-Unis. Si vous n'avez pas, par exemple, assez de ressources financières vous-même pour justifier que vous allez être autonome quand vous allez arriver aux États-Unis, on va vous demander un sponsor. C'est vrai, c'est difficile à avoir, mais j'ai fait également une vidéo entière sur comment trouver un sponsor. Quand vous regardez ce genre de vidéos-là, regardez-les entièrement pour pouvoir comprendre ce que je suis en train d'expliquer souvent. Si vous survolez la vidéo, il y aura l'histoire que vous n'allez pas comprendre le message pour pouvoir trouver votre sponsor. Donc cette vidéo-là, je vais la mettre dans le chat, puis je vais la mettre également dans la barre de description. Regardez comment vous pouvez trouver un sponsor, puis j'espère que ça va vous aider. Le huitième motif de rejet ici pour la dévelopterie, c'est au niveau de la visite médicale. Il y a certaines maladies qui vont vous disqualifier automatiquement si vous les avez. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui ne prennent pas la disposition pour faire les visites médicales à temps. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas, par exemple, faire le vaccin du COVID. Et quand on les appelle pour faire la visite médicale, on fait la visite médicale, mais parce qu'ils n'ont pas encore reçu les deux doses du vaccin, par exemple, ils ne peuvent pas avoir le document qui justifie qu'ils sont médicalement au point pour avoir le visa. Pour cette raison-là, on va les mettre en procédure administrative. C'est des choses qu'on peut éviter, les amis. Si c'est des choses indépendantes de votre volonté, si c'est des maladies que vous avez qui vous disqualifient, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des choses que vous pouvez éviter, par exemple, le vaccin du COVID, par exemple, que vous devez faire pour entrer aux États-Unis, ou bien appeler pour prendre un rendez-vous pour faire votre visite médicale à temps, faites-le, les amis. Il ne faudrait pas que ces choses-là vous disqualifient. Je pense que vous avez perdu déjà assez de temps, vous avez investi assez de ressources financières pour la dévelopterie. Donc, je pense que le petit effort vers la fin, là, il est vraiment valable pour avoir votre visa. Le neuvième point qui va vous disqualifier ici, c'est au niveau de la procédure. Ne pas suivre la procédure. Beaucoup d'erreurs qui disqualifient les personnes qui ont joué à la dévelopterie se font à l'inscription. L'erreur la plus commune, c'est au niveau du changement de nom. Je vais vous expliquer une histoire. Un jour, il y a un monsieur qui a remplacé son middle name avec son first name. Pour cette raison-là, le monsieur n'a pas eu son visa. Donc, soyez méticuleux. Si quelqu'un joue pour vous, faites attention, regardez bien ce qui est mentionné dans votre papier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de célibataire et de marié. Je vous ai parlé des gens qui ont des enfants. Si vous avez des enfants, mentionnez ces enfants-là. Et mentionnez les enfants que vous devez mentionner. Comme je le disais tout à l'heure, si vous ne suivez pas la procédure, les Américains ne vont pas vous donner le visa. Les Américains aiment vraiment les procédures. Si vous avez tous vos papiers, on va vous donner le visa sans aucune difficulté. Mais s'il y a des choses qui ne concordent pas, il y a des choses qui ne sont pas à jour. Par exemple, il y a une erreur sur votre date de naissance ou bien vos diplômes ne concordent pas. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, ils ne vont pas s'emmerder, vont vous refuser le visa. C'est la raison pour laquelle on prend beaucoup de présélectionnés pour avoir un petit nombre de sélectionnés vers la fin. Donc, si vous voulez perdre le temps,
pas que vous voulez perdre le temps, mais si on doit faire beaucoup d'efforts pour avoir des clarifications dans votre dossier, il y a des soirs qu'on peut vous refuser votre visa. Maintenant, les amis, le dernier point pour lequel l'officier de l'ambassade peut vous refuser le visa pour la développer, c'est le suivant. C'est ne pas se préparer pour l'interview. Il n'y a pas pire chose que de ne pas se préparer pour l'interview. Quand vous arrivez devant l'officier du consulat, il vous pose des questions, vous n'arrivez pas à répondre. Vous êtes crispé, vous titubez. Comment vous allez convaincre quelqu'un quand vous bégayez, quand vous posez une question sur vous-même? Vous comprenez? Je parle de ça tous les jours. C'est une affaire de préparation. Préparez l'interview de la développerie comme si vous passez passer un examen. Parce que vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent là-dedans, hein, beaucoup de temps. Si vous partez à l'interview puis on refuse le visa, vous perdez plus que la personne qui n'a pas été présélectionnée. Parce qu'en fin de compte, vous devez vous rester dans votre pays. Mais seulement vous avez fait beaucoup plus d'efforts pour arriver jusque-là et puis vous avez dépensé encore l'argent pour faire pour les frais de visa et autres, et puis la visite médicale. Donc les amis, préparez-vous. Seule la préparation peut vous donner votre visa. Et ça, à ce niveau-là, c'est pas une affaire de quelqu'un, c'est vous-même, la balle de votre camp. J'ai fait une vidéo sur comment préparer votre interview. Faites un tour sur ma chaîne, regardez la vidéo, ça vous sera utile. 10 minutes de vidéo que vous allez regarder, ça va vous donner un visa pour les États-Unis. Le visa pour les États-Unis, il n'y a pas de prix. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à payer 10 millions, mais qui n'ont pas la chance d'avoir ce visa-là. Donc, les vidéos sont là à votre disposition gratuitement. Ça me fait mal quand j'entends certaines personnes sont arrivées jusqu'à l'interview et puis on n'a pas eu de visa. Je suis sûr que c'est un manque d'information ou bien quelque chose qui n'a pas marché pendant la procédure. Donc, les amis, le tout est fait. Je sais que j'ai été rapide, mais mettez les questions en commentaire. Mettez un like à cette vidéo et puis partagez-la à d'autres personnes. Je vous attends ici avec vos visas américains. Portez-vous bien et puis vous passez une bonne journée positive. Bye!